Notre fenêtre sur le cinéma français continue ce soir avec l'avant-première mondiale de Inexorable. Et pour mieux vous parler de ce film, de vous présenter ce film en avant-première mondiale, veuillez accueillir avec moi, s'il vous plaît, la comédienne Elba Gaia Bellucci, la comédienne Mélanie Douté et le réalisateur et co-scénariste Fabrice Dubé. Bienvenue, bienvenue tous les trois. Merci d'être ici pour cette grande avant-première. Bonsoir. Quelle salle! C'est incroyable, hein? Incroyable! Ça vous fait quoi de projeter un film pour la toute première fois? Eh bien, on est heureux, on est content, surtout que... On ne l'a pas vu, Alba et moi. On le découvre ce soir avec vous, grâce à vous, merci. On a tenu, j'ai vraiment essayé que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Et là, je peux pas être plus ravi, quoi. Parce qu'il y a une salle magnifique. Vous êtes nombreux, hein, ça fait quelque chose. Hein. Ah, pour vous, ça fait quoi d'être ici ce soir à Deauville? Je suis très contente d'être là. J'ai un peu peur, parce que je ne l'ai pas vu. Mais tout le monde a l'air très bienveillant, donc ça va se passer. Et Mélanie, pour vous, ça représente quoi pour vous ces festivals ici à Deauville? C'est comme un pamplemousse le matin au petit-déj, quoi. Ça met en éveil, c'est de la joie, ça pousse. Non, je suis très impatiente de voir le film. Très, très envie de voir le film. Et Fabrice, pour vous, juste quelques mots pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Sur le film? Ah non, je vais vraiment vous laisser découvrir. Au moins j'en dis, au mieux c'est. Par contre, je suis vraiment très heureux d'être là. C'est un festival qui compte. Je suis déjà venu dans ce festival en tant que jury il y a plusieurs années. Donc je suis ravi d'être là et je suis ravi d'être là avec ce film, vraiment. Donc je vous souhaite la meilleure projection possible et je vous demande s'il vous plaît de lâcher vos téléphones portables pendant 1h30 si possible. Vraiment, complètement. Merci beaucoup.